Gérald Cohen, attaché de presse, publicitaire et fondateur de Baby Brand, nous entraîne dans le premier arrondissement. Amoureux de Paris et du Jardin des Tuileries, cet oiseau de nuit et de jour peu ordinaire nous confie ses adresses secrètes. Aujourd'hui, pause lecture à la librairie De la Main, l'un des plus jolis endroits de la place du Palais Royal. Cette librairie est d'abord idéalement placée face à la place Colette. Sur le trottoir, vous avez des livres d'édition ancienne qui sont vendus à des prix extrêmement raisonnables. Quand vous rentrez dans cette bibliothèque, vous avez tout de suite une impression que vous n'aurez jamais dans le rayon librairie d'une grande surface ou même malheureusement à la Fnac. Vous avez une ambiance absolument particulière, feutrée, les gens ne parlent pas, sont quasiment immobiles, ils passent d'un livre à un autre, vous avez des boiseries, vous avez une atmosphère d'intelligence. J'y vais depuis 30 ans pour découvrir des éditions rares ou des livres qui viennent de sortir. C'est là-bas que j'ai acheté le dernier roman de Houellebecq. C'est là-bas que j'ai acheté des romans policiers anciens ou rares. Donc c'est un endroit absolument à part. Et encore une fois, l'avantage de ces magasins physiques, c'est que vous avez quelqu'un qui est là pour vous écouter, qui vous connaît, qui vous conseille, qui vous recommande, qui vous dit « Tenez, vous n'avez pas lu ça, découvrez celui-ci ». Une fois, la jeune femme qui m'avait accueilli m'avait même donné un livre en me disant « Bon, écoutez, lisez-le ». La lecture, c'est quelque chose d'indispensable. On ne peut pas exister sans lire. Donc ces endroits-là sont indispensables à la vie d'une grande cité.